Bien, je disais tantôt, un important lot de médicaments au profit des habitants du canton Ebelalembe dans la province du Moyen-Ogoué. La dotation est faite ici par Raphaël Mangwala, élu de cette localité. Paul Nsiaki et Jean-Pierre Monswami. Avec les populations d'Ebelabanga Bifoun, le scénario a été identique au canton Ebelalembe. Entre le sénateur de la contrée qui a apporté un soutien en vue de soulager les maux que rencontrent ses compatriotes. Et donc, pour ce faire, plusieurs médicaments ont été remis aux différents villages du département, à l'exemple de Mevang et Mezeng. La population des villages Mikomi Saint, Outouma, nous vous disons merci, merci et encore merci. Si vous n'étiez pas en bonne santé, vous ne serez pas ici ce matin aussi nombreux. Il a dit non, je vais aider mes parents à être en bonne santé. Et pour être en bonne santé, je leur amène les médicaments. L'action de l'élu, soulignera-t-il, cadre avec la démarche du leader de la formation politique dont il est issu. Conformément à la volonté exprimée par le président de la République et notre parti qui a toujours voulu que lorsqu'on gagne, on partage, j'ai tenu à profiter de l'intercession parlementaire pour sillonner mon siège. Mais je ne voulais pas sillonner le siège, les mains vides. J'ai pensé que je pouvais leur apporter quelque chose. Et cette chose, ce qui tient à la vie, c'est la santé. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de doter toutes les infirmières dispensaires du siège de médicaments. Le manque d'accès aux soins de qualité par cette action salvatrice reste pour ses compatriotes de l'arrière-pays un élément majeur pour le bien-être de ces populations rurales.